Notre communauté de communes fête ses 20 ans. C'est à la fois jeune, mais suffisamment âgé pour revenir sur ses 20 plus belles réalisations. Au-delà des équipements, des constructions, la communauté est une formidable aventure collective au service des habitants. Quoi de plus naturel que de donner la parole à toutes celles et tous ceux qui vivent au quotidien ce territoire. Cette rétrospective illustre les compétences de la communauté de communes qui agit au cœur de la vie quotidienne des gens. Les réalisations que vous allez redécouvrir reflètent l'évolution et le dynamisme de cette partie de Haute-Loire. Cette terre est dotée d'une identité très forte, à l'image de ses habitants, de ses paysages et de ses monuments. La dernière réalisation en date, qui est la station de traitement des eaux usées de la Siove Saint-Didier, traduit l'ambition très forte des élus d'inscrire leur action dans le respect de l'environnement et avec la volonté de transmettre un territoire préservé, solidaire et attractif. Je suis passionnée de lecture et bénévole à l'association Livre au Village. En 1987, quelques passionnés de lecture ont décidé, avec l'aide de la municipalité et l'appui de la bibliothèque départementale de Pré, la création d'une bibliothèque gérée par des bénévoles. En 2009, la communauté de communes a pris le relais dans la gestion de la bibliothèque tout en continuant à s'appuyer sur les bénévoles présents sur le terrain. Depuis 2018, les locaux ont été réaménagés. On ouvre les lundis, mardis, mercredis et samedis. L'idée, c'est de permettre un accès à la lecture et la culture le plus large possible. Saint-Ferréol de Roure depuis 1989. Notre club est fort d'environ 240 pratiquants, de 4 à 73 ans. Il est d'ailleurs le premier club de la Haute-Loire en termes d'effectifs. Depuis 2014, nos pratiquants profitent d'un dojo situé à Pont-Salomon, réalisé par la communauté de communes Loire Semaine. Nos licenciés peuvent ainsi pratiquer pleinement leur sport dans une structure adaptée au judo, au jujitsu ou encore au taïso. Je suis enseignante de piano, d'éveil musical et de formation musicale à l'école de musique Musicals. J'interviens sur les différents sites à Aurec-sur-Loire, Saint-Didier-en-Velay et Saint-Just-Malmont. Notre association existe depuis 2011. Aujourd'hui, 280 élèves suivent des cours de musique et 400 élèves des 13 écoles du territoire bénéficient d'une intervention musique en milieu scolaire. C'est une association qui propose l'apprentissage d'une vingtaine d'instruments en cours individuels, musique classique et musique actuelle, ainsi que différents ateliers de pratiques collectives répartis sur la communauté de communes Loire Semaine. Je m'appelle Alexandre Perrard et je suis directeur de Loire Semaine Loisirs. Je gère la base de loisirs à Aurec-sur-Loire. C'est plus de 10 hectares dédiés aux loisirs et au tourisme. L'aménagement de cet espace par la communauté de communes Loire Semaine a débuté en 2011. Ça a été l'occasion de travailler la liaison entre le bourg médiéval et les bords de la Loire via la construction de la passerelle himalayenne. À titre d'exemple, c'est plus de 140 000 passages sur l'année 2019.
Les aménagements du site se poursuivent avec la création de la passerelle du Saut du Chien, réalisée par la communauté de communes Loire-Semaine en 2018. Ça permet au public de prolonger l'immersion dans les gorges de la Loire sauvage. Je suis vice-président du club HPI, Opila Interfoot, club issu de la fusion Interfoot Saint-Just-Saint-Didier et du FC Opila. Nous avons 250 licenciés, issus principalement des communes de Saint-Just-Malmont, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Didier-en-Velay, Marle. Le terrain de foot synthétique, réalisé par la communauté de communes de Loire-Semaine, est l'exemple parfait d'une collaboration réussie entre les différentes communes et les clubs concernés, Saint-Just-Malmont, Saint-Didier-en-Velay, La Sueuve-sur-Semaine, Saint-Victor-Malescourt. Les équipements sportifs, tels que ce stade à Saint-Just-Malmont, sont idéaux en termes de confort aussi bien pour les entraînements que pour les compétitions. Je suis la présidente du bureau de l'association de la crèche de Saint-Just-Malmont et maman de Charline, qui fréquente la crèche du lundi au vendredi depuis l'âge de 3 mois, et Irine, âgée de 10 ans. À la naissance de mes enfants, je me suis questionnée sur un mode de garde, à savoir assistante maternelle ou crèche. Ces deux modes d'accueil sont gérés par la communauté de communes Loire-Semaine et organisés en réseau. J'ai finalement choisi la crèche de Saint-Just-Malmont. Elle prend en charge les enfants de manière individualisée dans le respect de leur rythme. À la crèche de Saint-Just-Malmont, les enfants grandissent dans un cadre sécurisant et bienveillant. Pour nos plus grands, dès la sortie de la crèche et jusqu'à l'adolescence, la communauté de communes propose d'autres accompagnements. Périscolaire, accueil de loisirs, camp été hiver sur toutes les communes. Cela assure une vraie continuité éducative pour nos enfants. Je suis grimpeur en site naturel depuis 25 ans. Le site de Lafayette existe depuis très longtemps. Il a été réhabilité récemment par la communauté de communes Loire-Semaine. J'aime beaucoup y grimper pour son accessibilité, son cadre magnifique et la diversité des différents secteurs. Je suis par ailleurs professeur de PS au lycée Jacob Holzer de Firminy et j'emmène mes élèves sur ce site depuis sa mise en service en 2020. Les offres pleine nature proposées par les communautés de communes nous permettent de pratiquer également du canoë sur la Loire, du trail et du VTT sur les circuits du secteur. Je suis pêcheur amateur depuis 25 ans et je connais bien la Semaine. Je pêche régulièrement cette rivière au bord de laquelle je vis. La mise en place d'un contrat de rivière a permis d'améliorer ce cours d'eau, notamment la continuité écologique, par les suppressions d'obstacles pour les poissons et les sédiments. La communauté de communes Loire-Semaine a participé financièrement à certains travaux. Ce qui me plaît sur cette rivière, c'est le retour de la truite fario en nombre, accompagnée des vairons, goujons et d'ormilles, loches franches. Mais aussi celui de la loutre, du Saint-Plongeur ou du Martin-Pêcheur.
Et en dehors de l'école, bah, des fois, je fais des activités quand ça m'intéresse. Je participe aussi à Action Jeune. Ce que j'aime bien, c'est les activités sportives avec mes potes, l'organisation des sorties et des chantiers. Quand on participe aux chantiers comme Studio Pump Track là, de Pont-Salomon, on est récompensé par une sortie ou une activité et c'est sur toutes les communes. Les années précédentes, on a fait du laser game, on est allé à Walibi et d'autres sorties encore. Hein. Mais ce que je préfère, c'est la bonne ambiance, que ce soit avec les animes qui sont vachement cool et aussi le fait qu'il y ait une bonne entente entre tous les jeunes.